voulu me croire ce qu'on me disait auparavant. Au point de tirer un trait sur certaines personnes. Depuis le début de ce bordel, les gens sont devenus bizarres, agressifs même. Plus rien n'est comme avant. C'est comme si tout s'était arrêté. Ah merde! C'est des zombies, c'est ça? Pourquoi ils nous ont suivis jusqu'ici? Non. C'est autre chose apparemment. Allez, viens. On rentre à l'intérieur. C'est quoi cet endroit? Dépêche-toi! J'y crois pas, putain. Ils sont toutes là dehors à nous attendre. Et c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que vous foutez dans cette forêt? Ferme ta gueule! Ferme ta putain de gueule! Tu crois pas? Moi non plus, je sais pas ce qui se passe! Alors arrête de me poser toutes ces questions! On est dans la merde, c'est tout! Bon. Pardon d'être emporté. Moi non plus, je sais pas ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas qu'on reste ici. À mon avis, ils ne sont pas très loin. Et t'as un plan pour sortir de là? Comme tu dis, vaut mieux pas traîner. Ouais. En attendant, prends un de ces sacs et mets tout ce que tu dois trouver intéressant dedans. Médicaments, nourriture, tout. Après, on partira par une autre sortie et on essaiera de trouver un camp calme. Ok, je fais les autres pièces. Ouais. Si on m'avait dit un jour que je me retrouvais dans cette situation, surtout avec un mec comme toi. David. Moi, c'est Thomas. On aurait construit dans ces conditions. La vie nous réserve souvent des surprises. Au fait. Tiens. Il te sera utile. Surtout dans des situations comme celle-là. Je te remercie. J'espère que je vais pas m'en servir. Je suis pas un violent. J'avais bien compris que t'étais pas un violent. Je n'étais pas non plus. Au fait, tu m'as pas répondu. Comment tu connais cet endroit? Cette maison t'appartient? Alors j'ai acheté cette maison et j'ai décidé de la retaper. En tout cas, vraiment être sympa avant que tout ça n'arrive. Ouais, mais c'était sans doute trop beau pour être vrai. La vie est étrange. Quand elle te sourit, elle va trouver la moindre petite chose emmerdante et par la suite te la foutre dans la gueule. Ouais,
En effet. Ouais, bon, on se barre d'ici. On passe par le garage. Depuis combien de temps est-ce que tu nous suis? Mais je me suis fait battre, je veux aucun mal, je suis perdu! Tu ne veux aucun mal? Tu avais la main posée sur ton couteau pour rien nous égorger! Mentir, c'est pas la solution. Et ça peut engendrer des situations compliquées. Mais je vous dis la vérité, merde! J'étais avec quelqu'un, on a été séparés! J'essaie de me cacher, c'est tout! Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te tuer! Là, maintenant! Foutez-moi la paix, putain! Laisse ton couteau, tu vas pas que tu lui fasses pas! T'as avec nous observe depuis je ne sais combien de temps? Et toi, tu trouves pas ça louche? Écarte-toi et allez, tu crois que tout le monde est contre toi! Tu peux venir avec nous si tu veux. Et pour ce qui t'a fait, je suis vraiment désolée. On voit pas beaucoup de personnes dans le coin. On essaie juste de faire attention. Allez, et pas toute la journée. Ok, j'arrive. Je vais me faire confiance. Et reprenez ça. Non. Garde-le, il pourrait te servir. Viens avec nous, on va te soigner ça. Mais ne tente rien de stupide. J'arrive toujours pas à comprendre qu'on en est arrivé là. De quoi tu parles? Je parle de tout ça. On nous dit rien, on nous laisse comme de la merde. J'essaie juste de comprendre tout ce merdier, c'est tout. Je pose jamais de questions par rapport à ça. On devrait y aller, on y est pas. Excuse-moi d'avoir été un peu dur. C'est rien de grave, il y avait un mieux après. Tu peux me donner une compresse et de l'alcool? Où vous l'avez trouvé? Dans la forêt, à 20 minutes d'ici. A priori, il n'a pas l'air méchant. Thank you.
Cette blessure n'a pas l'air trop grave, heureusement. Il s'est fait attaquer tout près d'ici. Hein. Je pense qu'on doit partir de cet endroit. On n'est pas en sécurité. Je sais bien. Le mieux serait qu'on parte demain matin. La nuit tombe vite. C'est trop dangereux maintenant. Ouais. Dès l'aube, on préparera nos affaires. Et on ira chercher des vivres et un endroit plus sûr. En attendant, occupez-vous bien de lui, ok? Ouais. Jetez à l'œil, gamin. Pour le premier tour de garde. Les autres, allez vous reposer. On a de la route à faire demain. Écoute, c'est bon de parler de ce lendemain, mais... faut qu'on fasse gaffe dès maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est attaqué sur la colline. C'est un mec qu'on n'a jamais vu qui nous a sauvé. Raison de plus pour se montrer plus prudent, alors. Je vais prendre la relève de la garde de Samuel. J'ai pas envie de perdre d'autres personnes. En attendant, je vais garder un œil sur lui. Je le sens pas démas. Crois-moi, c'est le cadet de nos soucis. Je pense pas qu'il nous causera du tort. Il me semble qu'on s'occupe bien de lui. Ouais. Tu me dis que c'est quelqu'un que tu avais jamais vu avant qui vous a aidé? Il nous a clairement sauvé la vie. Sans lui, on serait plus. Il aurait dû partir pour se sauver lui-même, c'est étrange. T'en fais pas. Je pense pas qu'on le verra de toute façon. Merci, mort. C'est normal. Ça redonne le moral de voir qu'il y a encore de gens bien dans ce monde. C'est pas toujours le cas. Dans les heures sombres que nous vivons, ce n'est pas toujours le cas, en effet. Enfin, j'aimerais bien connaître la cause de tout ça. Ouais. Moi aussi. Encore merci de m'avoir sauvé. J'essaierai de me rendre utile pour chacun de vous. On est sur le même bateau après tout. C'est le même bateau qui brûle, un peu plus, chaque jour. Qu'est-ce qu'on fout ici? Tu connais cet endroit? Hugo, tu m'écoutes? Mais bordel, il m'avait loupé! Cet hangar, aménagé par les secours populaires. Au début de l'infection, ils ont mis plein de place pour aider les gens dans le besoin. Beaucoup de gens venaient ici? Pas assez. Je ne sais pas.